Stop. Ah. Vidéo, film pour internet. Oui. Je vais le photo vidéo pour le journaliste. Sur internet, YouTube. Ah, YouTube. Garde-moi. Moussafer. Je veux du travail. C'est non, travail. Pas travail, c'est hobby. Pour le plaisir. Je voyage, autostop dans le monde et je montre aux autres vidéos. Une photo pour le film comme ça alors. Chakram Zer. Allez. Comme quoi il y a même chopé le taxi en autostop gratuit quand on explique ce qu'on fait. J'avais que 7 dirhams, le voyage coûtait 10 dirhams. Je suis désolé que je rigole, mais ça me fait trop rire parce que j'ai chopé le taxi et c'était gratuit. Après avoir expliqué mon voyage et tout, Mohamed, le chauffeur, était tellement sympa qu'il ne voulait pas que je paye. Donc voilà, sympa non? Voilà, taxi autostop gratuit. Comme quoi. Alors, je suis ici, je dois contourner. La mosquée... Non, ce sera par là-bas. Ok. Et voilà, c'est reparti, on est sur la route. Ça fait du bien de se reposer, mais quand on voyage, c'est aussi chaud de reprendre la route. Là, j'avais pendant deux nuits mon petit lit
la douche, j'avais mangé en suffisance, même plus. J'étais super bien accueilli. Mais bon, il faut continuer la route. Et du coup, je pensais qu'il s'arrêtait pour moi, mais non. Et du coup, ouais, on part de Fès, direction Ifrane et Azrou. J'espère que ça va aller. Je marche un peu vers la sortie d'autoroute. Et on va voir si j'essaie de choper un stop là-bas. Il fait super chaud. Vraiment. Mais bon, apparemment à Ifrane, il fait moins chaud que ça, donc cette nuit, ce sera plus sympa de dormir. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Bon, il y a un taxi qui s'est arrêté, qui voulait me prendre, même sans argent. On est dans la direction de l'aéroport. Et moi, je m'en fous, moi je continue la route, donc... Par contre, la merde, j'ai couru après le taxi, après le gars qui s'est arrêté. Et ma bouteille, la seule bouteille d'eau que j'ai, elle s'est pétée. Donc, il faudrait soit que j'achète de l'eau, soit que je trouve une autre bouteille, parce que... C'est la seule eau que j'avais. Et pour le moment, elle est en train de partir. Donc on est dans la merde. Je vais boire un peu, même si je suis déjà full. Comme ça, j'en garde un peu dans mon estomac. Mais ouais, faudra faire gaffe, quoi. Voilà, on arrive près du rond-point. Direction Azrou et Ifrane, c'est tout droit. Mais je passe le rond-point, comme ça je suis sûr d'avoir des voitures qui vont que dans la direction de Ifrane. Putain, c'est la merde pour la bouteille, quoi. Elle est tombée et s'est éclatée par terre. Enfin bref. Vous voulez voir le panneau? Nous, on va tout droit. Bon, à tout de suite. Je suis arrivé à Ifrane. C'est nickel ici. Enfin, je veux dire, les rues sont toutes propres, c'est tout beau. Bon, c'est logique, c'est la ville où il y a le palais du roi de Maroc. Et donc, c'est un peu genre le top niveau du Maroc ici. Il y a aussi l'université la plus reconnue, où apparemment tu payes l'équivalent de 60 000 euros par an pour étudier. Donc, si vous êtes chaud de faire un Erasmus au Maroc, 60 000 euros et voilà, vous êtes invité. Mais non, voilà quoi, c'est un endroit super prestigieux. Il n'y a que les enfants des ministres et des méga bourges qui viennent ici. Alors presque toutes les rues, c'est des avenues ou rues Hassan II ou autres voies marocains. Donc voilà, il n'est pas encore trop tard, moi je continue vers la sortie de Azrou. Et on va essayer d'arriver à Azrou aujourd'hui parce que si je dois dormir ici, avec le peu d'argent que j'ai, ça marchera pas. Et à mon avis, ils vont me regarder comme si j'étais con si je leur demande pour camper avec ma tente. Donc, tant qu'on peut, on progresse encore vers Azrou. Voilà, voilà. Et alors, c'est vrai que dans les montagnes, il fait plus froid. Enfin, je sais pas si c'est l'ombre. Mais en tout cas, je la sens pas la chaleur. Je porte mon sac, j'ai pas difficile. Donc tant mieux pour le moment. On évite un peu la grosse chaleur avant de descendre le rythme.
de rejoindre le désert, parce que là-bas, le gars qui m'a emmené jusqu'ici m'a raconté que c'est la pire période apparemment, pour les chaleurs la journée et pour le froid la nuit. Donc voilà, ah, voilà notre autostoppeur. Ah non, c'est la police qui autostoppe. Ils peuvent arrêter comme ils veulent. Il a arrêté un camion, il s'est assis, hop, et il est parti. C'est moyen, hein. Étant donné qu'on a quitté Fès ce matin, je vais peut-être encore profiter de vous parler de Fès. J'ai pas eu trop l'occasion de me filmer à l'intérieur de la Médina parce que c'est un peu chaud. Enfin, c'est super touristique et tout, déjà marcher avec mon stick, c'était un peu bizarre. Non, monsieur le bus, je veux rien. Ouais, donc je disais que même marcher avec mon selfie stick à l'intérieur de la Médina, ça faisait vraiment touriste. Et que je me faisais un peu harceler de tous les côtés pour acheter des trucs ou pour payer, rien que pour filmer. Mais j'en fous, on va pas payer pour filmer. C'est comme un endroit touristique, c'est fait pour ça. Mais donc, si j'avais un conseil à vous donner, si vous voulez visiter les grandes villes marocaines et surtout les centres historiques, donc les médinas, à l'intérieur des murs, des anciens murs, des anciennes murailles marocaines, villes marocaines ou que ce soit autre ville de pays musulmans, un conseil que je peux vous donner parce que c'est assez similaire, faites une première promenade et ne prenez rien avec vous, vraiment aucune pièce, même si vous voyagez en autostop. Même si vous êtes touriste et que vous prenez un hôtel et que vous voulez dépenser, de toute façon, votre première promenade, la mieux, ce sera sans argent. Parce que, évidemment, c'est un endroit touristique, mais c'est des endroits touristiques qui sont très, très typiques aussi. Et donc c'est bien, il faut aller les voir. Mais maintenant, voilà, comme c'est touristique, on se fait pigeonner à chaque fois. Avec nos têtes d'Européens, les prix sont à 4 fois, 5 fois plus chers. Et on va vous demander pour payer pour tout. Donc le mieux, si vous n'avez aucune expérience, c'est ne prenez pas d'argent. Parce que même si vous demandez le prix ou quoi, eh ben, au final, vous n'avez pas d'argent. Donc vous n'allez pas vous faire pigeonner. Mais ça va vous permettre de faire les premiers repères. De voir un peu jusqu'où vous pouvez descendre les prix pour certains trucs. Ça peut vous permettre aussi de voir jusqu'où peuvent aller les relations. Parce que voilà, moi j'ai fait connaissance avec Rachid et Mohamed. Tout ça, c'est parce que j'avais pas d'argent. Je me suis assis dans un petit café, j'ai pris juste une canette. Et on a commencé à parler. Et voilà, un quart d'heure, une demi-heure après, Mohamed il m'a proposé de visiter la ville avec lui, totalement gratuitement. Évidemment, j'ai refusé parce que, voilà, moi je connaissais Fès et que j'avais pas besoin de lui. C'était déjà super sympa. Le fait que je puisse filmer dans la cafette, là notre discussion. Mais vraiment, si vous allez, ça c'est le premier conseil, prenez pas d'argent pour la première balade. Vous voyez les choses, vous rencontrez des gens, et grâce à ça, vous faites vos repères. Si vous rencontrez un Mohamed comme moi je l'ai fait, ben voilà, la prochaine fois, vous revenez au café, vous lui payez un café, et vous faites le tour de la ville avec lui. Vous lui laissez une petite pièce s'il faut. Sinon, au moins, vous êtes déjà sûr d'avoir les prix les mêmes que pour les locaux, puisque Mohamed travaille avec vous. Voilà pourquoi faire toujours une première balade sans argent. Sinon, vous faites pigeonner à chaque fois. Vous pouvez essayer de marchander. De toute façon, les Arabes, c'est dans leur culture, ils sont beaucoup mieux que nous dans pour marchander, pour vendre des trucs. Donc, oubliez que vous allez être meilleur qu'eux. Mais voilà, donc profitez surtout des rencontres, parce que même si vous êtes là pour visiter les endroits, je pense que c'est surtout rencontrer les gens qui est le plus important et parler avec eux. Ce que vous voyez, c'est des souvenirs dans votre tête, mais les gens que vous rencontrez, c'est des souvenirs dans le cœur. Et ça, c'est important. Putain, je deviens un peu trop romantique là. Bon allez, on reprend la route.